Il y a 28 ans, Salim Bola travaillait tout seul sur son établi sous un manguier. À cette époque, les différentes étapes pour travailler le bois étaient essentiellement manuelles, ce qui lui a coûté des doigts de la main droite. Sans se décourager, ce père de famille a fait feu de tout bois et a créé Shafa Furniture Company Limited. Depuis 5 ans, il participe régulièrement aux foires internationales organisées par SMI Mauritius. Nous trouvons qu'il y a une nouvelle technologie, une machine, qu'on est capable d'exploiter nos business. Et là, nous faisons une démarche, nous réussissons à mettre une machine. Nous travaillons tout le découpage, tout le assemblage, tout à fait qu'il y a une meilleure machine. Mais sauf que, comme je disais, nous avons un travail polissage qui nous fait besoin de travailler pour faire. Mais là aussi, le polissage, là aussi, nous avons un nouveau appareil qui est sorti. Aujourd'hui, Salim Bola emploie une trentaine de personnes, dont 2/3 sont des étrangers. Son fils Khalid est celui qui gère l'opération des machines. Ça joue un coup, depuis la Chine. Et moi-même qui programme tout la machine ici. Ça va, la machine est beaucoup sophistiquée et il fait beaucoup de travail. Il m'a dit qu'un des gens qui prend beaucoup de temps pour faire. La mécanisation a ainsi permis à la compagnie Shafa Furniture de réduire son coût de production, d'augmenter son chiffre d'affaires et de varier sa clientèle. Nous avons un Development Certificate Scheme qui SMI Mauritius met à la disposition de nos entrepreneurs et dans certaines filières, y compris des secteurs manufacturiers. À cause de gagner l'avantage, le financement, Mobank met le financement à la disposition des bons entrepreneurs, mais aussi de gagner l'avantage avec MOE. Toujours grâce aux différents supports des autorités, Shafa Furniture se prépare à exporter l'Afrique et le continent ciblé.